Bonjour, Partage Info est avec Monsieur Cheminade. Bonjour, Partage Info. Que proposez-vous exactement ? Eh bien, un monde où on ne dise plus « pour les jeunes, c'est la galère et pour les vieux, c'est la misère ». Un monde où ce qui arrive au Portugal, en Grèce, en Espagne, ne puisse plus arriver. C'est scandaleux de voir la destruction à la fois de la substance économique des pays, de la qualité du travail et de la vie quotidienne. Alors, les indignés ont poussé leur cri d'indignation, ce qui est nécessaire, indispensable et très bien. Maintenant, il faut une réponse. Et je crois que la réponse, c'est penser la société en termes du futur, en termes de ce qu'il faudra faire pour les générations futures et en termes d'accueil. C'est-à-dire comment on va accueillir plus d'êtres humains sur Terre, comment on va accueillir tout le monde et comment chacun pourra avoir sa chance pour l'avenir. Alors ça paraît très simple, ça paraît très banal, mais si on regarde plus à fond les choses, il faut une politique pour cela. Et ça, c'est exactement ce que nous proposons. D'accord. Alors, à quoi vous opposez-vous ? Attendez, parce qu'il faut encore dire quelle sera cette politique, il faut être plus précis. Allons-y, alors, précisons. C'est dire, voilà, aujourd'hui, il y a une oligarchie financière qui a pris le gouvernement en otage, et il faut l'arrêter. Et comment l'arrêter ? Eh bien, j'ai toujours dit dans ma campagne présidentielle, et je le répète, d'abord coupant les banques en deux. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions dans une banque de crédit et de dépôt qui sont utiles aux gens, il y a une fonction de spéculation sur les marchés, de jeu, qui est parfaitement inutile et qui crée de la dette. Et les États venant au secours de ces endettés financiers, de ces parieurs financiers, on crée de la fausse monnaie pour que les perdants puissent payer les gagnants. Et finalement, les gagnants empochent tout. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est ce qu'on voit en Europe. Donc il faut arrêter ça. Et couper les banques en deux, ce n'est pas une mesure technique, c'est une mesure politique. C'est dire... Il y a des dettes qui sont illégitimes, il faut arrêter qu'elles soient imposées au peuple et il faut que ceux qui ont parié, perdu, soient eux qui payent. Donc pour ça, évidemment, il faut se dire à quoi on fera après, qu'est-ce qu'on fera après. Exactement. Et après, il faut du crédit public. Il faut une politique où l'État revienne et fasse du crédit à long terme pour qualifier l'emploi, pour faire de grands travaux, pour une politique de formation professionnelle. Mais faire de grands travaux, ça veut dire des densités de flux d'énergie. Les journalistes ont dit « mais on ne comprend pas ce que ça veut dire, c'est difficile à comprendre ». Non, c'est très facile. C'est qu'on produise plus par être humain, par produit apporté, et en même temps par unité de surface. Donc qu'avec moins, on puisse faire plus. Ça, c'est l'intelligence humaine, c'est le propre de l'être humain. Et c'est en cela que je m'oppose aux écologistes. Les écologistes disent très justement « quel monde lèguera-t-on aux générations futures ? Qu'est-ce qu'on fera pour eux ?» Et oui, ce monde-là dépend de la manière dont on peut produire pour eux et accroître la productivité. Alors on nous dit « oui, mais la croissance, c'est une croissance qui est devenue destructrice ». Ce n'est pas de la croissance. Ce qu'on vit depuis 30 ou 40 ans dans les pays occidentaux et dans le monde entier n'est pas vraiment une croissance. Qu'est-ce que c'est ? C'est une croissance de l'argent, c'est une croissance financière, mais une destruction du travail et de l'économie physique. Et on a arrivé au bout de ça. Et au bout de ça, ben, il faut une politique complètement différente. Et cette politique, ça doit être une politique qui rassemble avec des grands projets d'avenir et qui permette de sortir de ce système tenu par cette oligarchie financière qui opère à un niveau international et maintenant à la vitesse de la lumière en utilisant l'électronique et l'informatique pour ça. Vous savez, en bourse en France, plus de la moitié des opérations se font en beaucoup moins d'une seconde. Oui. Donc c'est du jeu, c'est plus d'investissement. Alors, pour préciser, parce que vous venez de le dire, alors on a entendu, mais à quoi vous opposez-vous ? Quels sont précisément les points qu'il faut abolir ? C'est cette oligarchie financière. Alors les gens, d'habitude, ne comprennent pas ce que ça veut dire. On dit le mot oligarchie, oligarchie, oui, oligarchie, on sait pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui est produit quand une démocratie n'a plus de principe. Et quand une démocratie devient une démocratie d'opinion et qu'on manipule les gens, ce qui est en train d'arriver devant nous. Alors l'oligarchie derrière tient et manipule les choses. Alors qu'est-ce que c'est cette oligarchie ? C'est le vieille famille qui ont une conception du monde de véritables pirates. Ils ne respectent pas les lois, ils ne respectent pas les textes, ils ne respectent pas les textes qu'eux-mêmes ont élaborés. Alors, on le voit, et nous avons dit dans notre campagne, un monde sans la City ni Wall Street. Oui. La City et Wall Street, c'est des emplacements dans le monde hors la loi et qui tiennent tous les flux financiers. Avec quoi ?
avec tous les paradis fiscaux et juridiques, parce que ce n'est pas seulement les paradis fiscaux, parce qu'il n'y a pas la loi là-bas. Alors c'est ceux qui sont près de l'Angleterre, c'est Jersey, c'est les îles anglo-normandes, c'est l'île de Man, puis après il y a toutes les Antilles, et puis enfin, il y a plus généralement tout ce qui apparaît maintenant, Dubaï, Singapour, toutes ces choses-là. Et ça forme un ensemble qui est en train et qui a pris le contrôle de l'économie mondiale. Alors, heureusement, nous avons encore une démocratie, mais qu'on vise à réduire. Regardez ce qui est arrivé avec Télévision grecque. On cherche à réduire cette démocratie. Mais elle est encore, il faut en profiter vite, parce que sans ça, cette oligarchie va passer à un ordre beaucoup plus totalitaire encore, à un régime, je dirais, plus ou moins dur, mais un système d'État policier. Et ça va être de plus en plus. Alors, nous sommes dans la situation des années 30, hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, il y a une note du 30 mai de la banque JP Morgan, des principales banques, qui dit « Mais regardez ces pays du sud, de l'Europe, ils ont des constitutions qui sont nées de la lutte contre le fascisme. Ils sont des constitutions trop rigides. Ce qu'il faut, c'est réduire le périmètre de l'État, faire les réformes nécessaires, porter des entailles au code du travail. Le code du travail, c'est trop, ça. » Créer de la flexibilité, comme l'accord national interprofessionnel va le permettre en France. Il faut en même temps, peut-être, ils appellent ça comme ça, modérer les coûts salariaux. Ils disent pas baisser les salaires. Donc, qu'est-ce qu'on a vu depuis 30 ans? En effet, cette politique est déjà en place, en réalité. Oui. Mais elle a été compensée par du crédit facile. Aujourd'hui, on est arrivé au bout de la politique de crédit facile. C'est-à-dire les gens avaient leur pouvoir d'achat réel qui baissait, mais ils avaient du crédit qui leur permettait cependant d'acheter. Plus, évidemment, l'exploitation des pays du Sud et le fait qu'on pouvait s'acheter ses vêtements, puis ensuite ses portables, puis ensuite ses ordinateurs, à des prix beaucoup plus bas. Donc les gens dans les pays développés avaient l'impression qu'ils maintenaient leur niveau de vie, mais ils maintenaient au détriment des autres. Là, on arrive au bout de ce système. D'où JP Morgan, son rapport du 30 mai, il faut passer à un ordre où on imposera ces réformes par des méthodes, disons, plus dures. Or, ça me rappelle une chose. Il y avait un rapport de la commission trilatérale de 1975 avec un Français, Michel Crozier, et un Américain qui s'appelle Samuel Huntington, qui s'appelait « Les limites à la démocratie », déjà en 1975. Ils n'ont pas pu le faire passer. Donc, on a passé par toute une époque où on a endormi les gens avec les médias et avec du crédit. Aujourd'hui, c'est le sommeil de la raison engendre des monstres, hein, disait Goya. Mais on y est, les monstres sont là, et c'est le moment de les combattre. Alors, moi-même, j'étais aux États-Unis en 1975, je me souviendrai toujours de ça, ce qui a déterminé peut-être une partie de ma vie. Supplément du dimanche de New York Times, 5 février 1975. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Une tranchée de la Première Guerre mondiale. Et on disait, ben, il y a des gens qui ne pouvaient pas survivre. Alors, il y avait des tueurs de tranchées qui les éliminaient. Puis, on voyait une femme avec un enfant en Éthiopie. Il y a peut-être trop d'habitants dans le monde. Et puis, c'était l'éthique du canot de sauvetage. Quand le canot de sauvetage est surchargé, ben, il faut qu'on jette des gens par-dessus bord. C'est dit en toutes lettres. Puis on a arrêté, parce que les gens commençaient à protester à l'époque. Aujourd'hui, on veut repasser à la même politique, et ce sont mes ennemis, pas mes adversaires, mes ennemis, d'accord, qui sont dans ce milieu-là, et qui propagent cette idée que le monde pourrait être en contraction. Alors, il y a des gens en Angleterre et aux États-Unis. Les thèses d'un Paul Ehrlich aux États-Unis sont en train de ressortir. Le monde est surpeuplé, il faut limiter. Surtout dans les pays du Sud. Hein. Si on a la peau un peu sombre, c'est là qu'il faut limiter. Ouais. Un peu un peu blanche, c'est un peu mieux. Mais même partout, il y a des Anglais en Angleterre, comme Jonathan Prorit, qui était un des principaux penseurs du gouvernement, qui a dit même en Angleterre, il faudra peut-être réduire la population de moitié. Donc ces gens-là, ce sont pas, ils pensent pas en termes de nation. Ils ne pensent pas en termes de peuple, ils pensent en termes de leur façon de faire, leur façon d'être et leur pouvoir. Alors, la crise dans laquelle nous sommes a été assez bien décrite par Marx dans un tome du Capital sur lequel les gens n'arrivent pas généralement à lire jusque-là, c'est le tome 3, s'appelle « Crédit et capital fictif ». Et on est dans l'émission de capital fictif, c'est-à-dire qu'on a émis de l'argent qui n'améliore ni la vie des gens, qui n'améliore ni le développement réel, technologique de la société, et qui détruit la nature. Donc, ce système-là ne peut pas durer, parce qu'à un certain moment, les gens se révoltent, ce qui est en train d'arriver. D'où le passage à l'État policier, et c'est ça qu'il faut à tout prix empêcher, contre quoi il faut se battre. Mais il faut un programme, et un programme qui soit clair, et je dis aux indignés, mes amis, réfléchissez, pensez, quel programme vous pourrez faire qui pourra convaincre les gens? Parce que l'indignation, on sait très bien, mais ça ne suffit pas.
Nous sommes d'accord. Et je reviens juste sur une chose, vous dites, les médias endorment le peuple. Dans quelle mesure? Ben, c'est pas qu'ils leur disent de faire quelque chose, mais créer un climat dans lequel les gens sont plongés dans l'éternel présent. Ils ne peuvent pas penser à long terme, l'avenir. D'accord. Regardez, c'est déjà une question en Afrique. Vous pensez, ces gens qui sont en Afrique, vous voyez à l'intérieur du pays. Je voyais des enfants au bord de la route quand j'étais au Niger, sur la route entre Niamey et Diabéry. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vendent? Eh bien, ils vendent des puces de portables pour que les gens puissent demander à leurs cousins, à leurs amis, à leurs frères, à leurs parents, qui sont soit en Côte d'Ivoire, soit en France, de l'aide. Mais c'est qu'on pense absolument à court terme. On n'a pas donné le droit à ces gamins de penser à long terme et de penser que leur éducation allait leur amener à un emploi, un développement du pays. C'est ça qu'il faut rétablir. Alors, on peut l'appeler de gauche, et c'est la tradition humaniste de la gauche, c'est la tradition de Jaurès. Mais aujourd'hui, quand on voit la gauche au pouvoir, dans un pays comme en France ou ailleurs, on est forcé d'accepter que c'est la gestion rose du néolibéralisme, malheureusement. Bien que les gens en place ne le voudraient pas, mais ils disent on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on est dominé, parce qu'on est contrôlé. Et en réalité, ils ont peur des puissants de ce monde qu'ils ne veulent pas affronter, parce que justement, les médias ont créé une fausse culture du consensus dans laquelle le conflit est exclu, excepté pour celui qui gêne, dont on va se moquer, qu'on va essayer d'outrager, qu'on va essayer d'exclure. D'accord. J'ai trois questions étranges. Trois questions étranges de Partage l'Info. Aucune question n'est jamais étrange. attendez, laissez-moi aller. Laissez-moi aller prononcer. Donc, après Tchernobyl, Fukushima, et bon, le problème du traitement des déchets nucléaires, est-ce que vous êtes pour le tout nucléaire, pour le développement de l'Afrique, ou simplement pour l'énergie de l'avenir? Le nucléaire, c'est l'énergie de l'avenir, parce qu'il y a une part de création humaine plus grande que dans d'autres formes d'énergie. Il y a une densité de flux d'énergie par habitant, par unité de surface et par matériel à portée plus grande. Mais qui dit énergie de l'avenir, dit société de l'avenir. Donc il faut une société qui soit plus humaine, plus démocratique, plus juste. C'est ce que j'appelle un nucléaire citoyen. Et il ne faut pas le nucléaire dans lequel on s'assoit sur le procédé actuel. Et on fait par exemple l'EPR en France, qui est la vieille technologie Westinghouse dopée par du contrôle et de la sécurité. Il faut aller plus loin. Il faut aller le nucléaire de la quatrième génération, le nucléaire de l'avenir. Il y a une filière thorium qui est extrêmement intéressante et elle qui n'est pas polluante, en tout cas qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que les filières actuelles. Et il y a une filière qui est celle de la fusion thermonucléaire. Ça, c'est 50 à 60 ans. Mais il y a une possibilité. Là, elle n'est pas polluante du tout, pratiquement pas polluante. Donc, on a cette vision-là. Il y a une vision aussi dans l'automobile, à mon avis. Il faut faire des voitures à hydrogène qui ne sont pas polluantes et les coupler avec cette économie de l'avenir, qui est une économie nucléaire. Mais c'est une économie de la science, c'est une économie de la réflexion. Ce n'est pas une économie où on cherche à tirer le plus possible d'une centrale et on affiche un prix de départ comme à Flamanville qui est très bas et on sait bien qu'on ne pourra pas le respecter, puis ça devient 2-3 fois plus cher. Ça ne marche pas. Il faut dire la vérité aux gens et parler clairement et leur parler comme à des adultes. Alors Fukushima et Tchernobyl. Tchernobyl, c'est une erreur folle d'un régime totalitaire qui a fait n'importe quoi. Et les gens qui étaient sur place, ce qui me fait peur à moi, c'est que les gens qui étaient sur place savaient qu'ils allaient produire un accident ou qu'il y avait très forte chance de produire un accident. Mais ils ont obéi aux ordres. Donc il faut cesser d'obéir aux ordres, qu'ils soient des ordres injustes. Et à Fukushima, évidemment, il y a eu le tsunami. Et il y a eu aussi le fait que l'entreprise japonaise a fait des économies sur tout, et en particulier n'avait pas mis les dispositifs électrogènes et de refroidissement suffisamment haut pour éviter un tsunami éventuel. Donc ça a tout envahi et ça a créé ce que vous savez, qui est un accident nucléaire grave. Mais ça ne veut pas dire que c'est par rapport à l'accident qu'on doit juger les choses. On doit juger les choses par rapport au milieu social dans lequel cet accident a pu se produire. Il y a un milieu social dans lequel on essaie de gagner le plus vite possible, le plus d'argent possible. Alors, de l'autre côté, il y a des gens qui disent « Oui, mais on peut faire sans nucléaire. On peut faire du solaire thermique, qui est utile, mais le solaire pour l'énergie ou l'éolien pour l'énergie, mais c'est absolument pas possible si on veut développer une économie. Le pourcentage apporté à une économie par l'éolien ou par le solaire, c'est pas suffisant. Donc il faut autre chose. Il faut garder, par exemple, tout l'hydraulique, tous les barrages. Il faut aussi avoir une part, mais une part limitée dans le gaz, parce que ce que permet le gaz, c'est très flexible, ça permet d'aplanir les pics de consommation d'énergie. Quand on a plus d'énergie, on peut mettre le gaz, et ça marche. Mais il faut contrôler, mais il ne faut pas dépendre d'un seul pays, il ne faut pas
faire des gentillesses au Qatar parce qu'on veut son gaz. Ça ne marche pas, ces choses-là. Donc ça suppose une politique mondiale, c'est une politique différente. Et moi, par exemple, je suis tout à fait contre l'exploitation du gaz de schiste, parce que je pense à pas la densité de flux d'énergie requis, et c'est une forme extrêmement destructrice, notamment avec la fracturation hydraulique. Alors, on rêve de ça, où les schistes bitumineux sont en train de faire des choses dans le nord du Canada qui sont épouvantables. Alors, ce qu'il faudrait, c'est le plan que défendent mes amis américains, un plan Nawapa, un plan pour remettre l'eau dans tout le sud du Canada. On a cette eau des fleuves du nord du Canada qu'on peut remettre vers le sud, où actuellement, avec la surexploitation qu'on fait, les aquifères américains, et bientôt ce sera le cas aussi au Mexique, au Sonora, les aquifères ne pourront plus apporter l'eau nécessaire aux cultures agricoles de... Les aquifères, de... qu'est-ce que c'est les aquifères ? Les aquifères. Les aquifères, c'est l'eau qui est souterraine et qui irrigue ou qu'on peut pomper pour en faire une irrigation au-dessus. Donc c'est ce qu'on fait dans ces pays, tous ces trucs qui extraient l'eau du sol. Mais on crée un système, on a créé un système depuis une trentaine d'années, dans lequel il n'y a plus le renouvellement de cette eau parce qu'il pleut moins, parce qu'on pompe trop cette eau et on ne la renouvelle pas. Donc il faut la renouveler. Et si on la renouvelle, on créera les conditions de pluviométrie qui seront meilleures et qui reviendront à des climats qu'on avait eu il y a certaines années en Californie. Mais on ne peut pas arrêter la culture, je ne sais pas, d'arbres fruitiers, de salades, de tout ça. On ne peut pas dire on arrête ça. Il faut le faire. Et pour le faire, il faut une politique de l'eau qui soit responsable, qui pense en termes de futur. Même chose en Afrique. On a défendu une politique de remise en eau du lac Tchad pour que les pêcheurs, les agriculteurs et... les gens qui sont nomades et qui ont des troupeaux, comme les peuls ou d'autres, puissent vivre ensemble. Sans ça, ils se battront entre eux, s'il n'y a pas un développement mutuel harmonieux. Même chose au Mali. Il faut remettre un eau, c'est la première chose à faire. Puis on n'en parle pas, on dit 3 milliards pour le Mali, on ne sait pas où ça ira. Et encore, je ne crois pas, on faisait des promesses, je ne crois pas que ça se réalisera. Mais il faut remettre un eau tous les lacs de la Fagubine, dans le sud, et les lacs du nord aussi, il y en a à peu près 17. Et il y a de l'eau à exploiter. Et là, on peut recréer... Et y compris, d'ailleurs, on parle beaucoup de la femme, de la libération de la femme, mais en Afrique, c'était les femmes qui exploitaient les produits de consommation courante, tous les fruits, les légumes, et c'est elles qui les vendaient sur le marché. C'est une forme de début de libération des femmes. Et il y a beaucoup de pays africains où les femmes ont une certaine indépendance, comme vous savez, contrairement à ce qu'on raconte ailleurs. Donc c'est ça, de voir l'économie et la société qui est en accord avec plus de justice, plus de possibilités pour les générations futures, et en même temps qui permettent à ces vieux de vivre. Regardez, je conclurai sur ça, parce que c'est une forme de société. Si vous regardez les SDF en France aujourd'hui, très peu d'Africains. Pourquoi ? Parce qu'il y a une solidarité entre eux, ils vivent mal entre eux, mais ils portent secours aux frères qui sont en difficulté. Vous voyez des gens dans des familles françaises qui, au bout de 3 à 6 mois, ne portent plus secours à celui qui est en difficulté. Et c'est là qu'il y a un vrai problème, parce qu'il n'y a plus un problème de solidarité. Et nous avons appelé notre parti en France Solidarité et Progrès, parce qu'il ne peut pas y avoir de solidarité sans progrès, et il ne peut pas y avoir de progrès sans solidarité. Alors, pour parler de progrès, deuxième question étrange de Partage l'Info, voulez-vous coloniser la Lune ? Non, pas du tout, ça serait une folie aujourd'hui d'aller sur la Lune, il y a des radiations cosmiques très dangereuses. Mais il faut aller sur la Lune, sans y rester. Il faut surtout mettre des dispositifs sur la Lune. Et il faut aller plus loin. Il faut penser dans les termes dont on commence à parler aujourd'hui. On avait dit qu'on était loufoque, bizarre, farfelu, quand on avait parlé de ça. Mais vous avez plein d'astéroïdes qui se baladent. Maintenant, on commence à en parler. Et notre ami Jean-Pierre Luminet en a beaucoup parlé. Il fait des conférences partout sur ce thème. Et on commence à le voir, puisqu'il est arrivé en Russie, à Tcheliabinsk, a montré que ça existe, et c'est un tout petit, hein, ça c'est 15 mètres, c'était très peu. Donc il y en a beaucoup plus gros qui se baladent. Et il faut connaître la trajectoire, il faut connaître où ils vont. Alors on dit oui, mais le risque, c'est peut-être 100 ans, c'est peut-être 500 ans. C'est vrai, mais il vaut mieux savoir ces choses à l'avance et savoir où on est, l'être humain dans sa vie. Je crois que Ray Bradbury, l'auteur de Fast Fiction, l'avait bien dit. Il a dit l'espace, mais c'est parce que ça existe. Et l'être humain a toujours envie d'aller y voir là où ça existe. Il ne faut pas y aller voir n'importe comment. Il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'il faut aller sur Mars. Alors, il y a un programme
parfaitement stupide et même criminel, où on dit « Ah, maintenant, on va faire un truc à la télévision, un grand show, on va prévoir un voyage sur Mars avec les moyens actuels, les gens pourront y aller, on pourra voter sur qui ira, puis on va banaliser la chose, on va faire un grand show. Ouais. » C'est une folie, on ne peut pas vivre sur Mars aujourd'hui, c'est la folie. Avant 50 ou 100 ans, on ne pourra pas. Il faut créer les conditions dans lesquelles on puisse vivre, éventuellement. On verra si on y va, si on n'y va pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut prévoir comment se baladent ces astéroïdes, où ils sont. Et ils se baladent généralement entre Mars, Jupiter, la fameuse ceinture des astéroïdes, et Vénus. Donc il y en a qui sont derrière le Soleil, on ne les voit pas. Donc il faut voir tout ça, il faut aller y voir. Et l'être humain doit calculer, doit mesurer, doit savoir exactement ce qui se passe. Donc la nécessité d'une politique de l'espace, c'est d'abord celle-là. Et le plus intéressant, c'est que ça ne peut pas être fait par un seul pays. Ça ne peut pas être fait même par un très grand pays. Ça ne peut être fait comme un objectif commun de l'humanité. Et c'est situer cet objectif commun de l'humanité parallèlement à l'autre objectif commun qui est de développer réellement les pays du Sud. Et ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, qui est une chose intéressante, c'est que malgré les inégalités épouvantables qu'il y a en Chine, malgré la politique de l'enfant unique qui, à mon avis, est une folie, malgré toutes ces choses-là, la Chine se développe quand même. Elle intègre un peu. Donc, ils sont obligés de prendre des mesures sociales, d'accroître les salaires. Et peu à peu, les conditions de travail en Chine ne permettent pas assez d'exploitation pour avoir ces produits au bon marché qu'on offre aux Européens. Donc, on déterritorialise, les Chinois le font, et ils produisent, je ne sais pas, en Indonésie, au Vietnam ou ailleurs. Donc, on a toute une politique de fuite en avant, dans laquelle la fameuse loi de Ricardo, qu'on va chercher les salaires les plus bas, c'est comme ça qu'il faut la traduire, là où ils sont, c'est une folie, parce qu'on est en train de détruire la capacité de travail et la puissance de travail un peu partout. Et à la longue, ça conduit à ce qui se passe en Espagne ou au Portugal. Et je suis content que les gens soient en train de chanter au Portugal « Grandola », qui est la chanson de la Révolution des œillets, « Grandola Villa Morena », parce qu'on retrouve cet esprit-là. Et je pense que cet esprit doit être aussi attentif, à être rigoureux, à être inspiré par une conception de la science, de la technologie et du respect des capacités créatrices de l'être humain. Parce qu'on est dans une société, pour revenir aux médias, où ce qu'on fait, comme on a dit, hein, c'est le temps de cerveau disponible. C'est Lelay qui avait dit ça. Ouais. C'est ça qu'on essaye de jouer, on essaye de jouer sur ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le cerveau humain. Le cerveau humain, il pense en termes d'objets. Il pense en termes d'assemblage des objets, en termes de l'attirance pour ces objets. Alors on va utiliser la psychologie du comportement, la sociologie du comportement, faire de grandes études, faire de la télé, ou des jeux vidéo, ou des choses qu'on va foutre dans les ordinateurs, pour que les gens soient dans un certain état d'esprit et qu'ils ne pensent pas à long terme. L'autre chose, la vraie d'un être humain, c'est l'esprit humain. L'esprit humain, ce n'est pas le cerveau humain. L'esprit humain, c'est là où on invente, là où on crée, là où on pense l'avenir, et surtout là où on pense en termes de principes et pas en termes de possession. Et c'est ce qui était l'aspect le plus intéressant qui a pu se passer à un certain moment en Union soviétique, c'est qu'on avait isolé, et ça ne passait pas dans le peuple, c'était ça le grand problème, mais on avait isolé une série de savants et de penseurs, parmi lesquels il y avait Sakharov, parmi lesquels il y avait Vernadsky, des savants de ce calibre-là, ou Kapitsa, qui eux pouvaient penser librement, et qui étaient beaucoup plus inventifs avec moins de moyens qu'ailleurs, parce qu'on avait créé une ère dans laquelle ils pouvaient penser librement. À un moment donné, évidemment, ça n'atteignait pas le peuple, et puis il a bien fallu que l'Union soviétique s'incorpore dans un système financier international, et là c'était la fin, parce qu'il n'y avait pas un peuple prêt à résister, et qu'on ne l'avait pas créé, parce qu'il y avait l'isolement de ses savants par rapport au peuple. Donc le grand défi sera que la science soit pour le peuple. Et nous l'avons dit, il faut une politique de l'art, une politique de la culture, qui amène cette science au peuple. C'était l'idée de Léo Lagrange au Front populaire, et c'est ça que nous voulons faire revivre, un art et une science pour le peuple. Alors je vais revenir avec une question vraiment terre à terre, un peu inspirée par certains de vos détracteurs, qui disent que si solidarité et progrès n'est pas une secte, c'est plus ou moins autre chose. Alors êtes-vous plus ou moins antisémite que Dieudonné? C'est une question absurde, parce que le pauvre Dieudonné, je crois qu'il n'est même pas antisémite. Ce qu'il cherche, c'est la gloire, le succès, et là, tout content qu'on l'applaudisse et qu'on le voit, et il chante Shoanana, qui est une chanson épouvantable, et qui est même pas drôle. Donc, il est pris, lui aussi, dans ce monde, dans ce flux des médias, et par complaisance, il s'y laisse porter. L'antisémitisme, c'est une absurdité.
comme l'islamophobie, ce sont des absurdités. Tout être humain est égal à tout autre. L'anti-athéisme est une absurdité. Je ne suis pas personnellement athée, mais je pense que l'anti-athéisme est une absurdité. Ce qu'il faut voir dans l'être humain, c'est ce qu'il peut apporter à l'avenir. Et de ce point de vue, il y a une très belle formule d'ailleurs de judaïsme. Reçois tout homme avec un beau visage. Ben, quand je garde la télé, je dis, eux, ils ne sont pas du tout dans l'esprit du judaïsme. Parce que quand des hommes viennent et contestent le système, ils le reçoivent avec un visage qui est laid. Monsieur Cheminade, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Bientôt.